La société Carbios va construire la plus grande usine de recyclage plastique en France. En février 2022, la société Idorama Ventures a annoncé la construction de la première usine de fabrication fonctionnant avec la technologie de biorecyclage PET en France. Cette usine aura la capacité de traiter jusqu'à 50 000 tonnes de déchets PET par an et pourra produire jusqu'à 2 milliards de bouteilles PET dans le même temps. L'usine devrait être tout à fait opérationnelle d'ici 2025 après un investissement de 200 millions d'euros. La société prévoit d'obtenir le soutien financier du gouvernement français. L'Américain Eastman et le Québécois Loop Industry comptent également s'installer sur le territoire français avant 2025. Ce n'est pas un hasard si ces projets ont été développés en France. La loi sur l'économie circulaire de 2020 fixe un nouvel objectif de 25% de contenu recyclé dans les bouteilles PET conçues pour les boissons. Cette même loi fixe un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2050.